Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente ma sélection des sorties livresques de février 2022. Comme d'habitude, je vous présente ma sélection suivant les différentes catégories, grand format puis les suites, les poches puis les suites, les mangas puis les suites et enfin les BD et les suites. Installez-vous confortablement, on embarque tout de suite avec un premier titre. Il s'agit de Heavenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard qui sort le 2 février. On part sur une saga young adulte conseillée à partir de 12 ans. On va y suivre Maddie qui est une jeune fille avec l'histoire un petit peu compliquée puisque son frère a disparu 10 ans auparavant, soi-disant assassiné par leur propre mère, sauf que Maddie, elle n'en est pas du tout convaincue parce que elle a assisté plus ou moins à la disparition de son frère et elle a quand même quelques bribes de souvenirs. Enfin, du coup, voilà, il semble que quelque chose ait enlevé son frère et non pas, sa mère est assassinée. Enfin, bref, le frangin. Ouah, ça paraît compliqué comme ça, mais non. Bref, 10 ans après, la mère de Maddie est en prison, elle le vit pas très très bien. Du coup, la mère n'a jamais nié l'assassinat de son fils. C'est un peu problématique, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, Maddie vit avec son père et sa belle-mère. Et la vie au lycée, c'est pas cool. Fille de meurtrière, c'est pas cool. Les brimades, etc. s'enchaînent. Et le seul échappatoire, du coup, pour Maddie, c'est de rejoindre une auberge, Heavenfall, qui est un petit peu perdue au cœur des Rocheuses. C'est son oncle Marcus qui en est le gardien, le gérant. Puisque dans les caves d'Heavenfall se trouvent des sortes de portails vers des mondes un petit peu fantastiques. Bref, les portails ont été scellés il y a déjà plusieurs années, je ne sais plus combien exactement, mais voilà, ils sont inaccessibles. Et l'oncle de Maddie, donc, est le gardien de ces portails. Bref, le jour où Marcus, l'oncle de Maddie, va disparaître, Maddie va devoir reprendre un petit peu le flambeau, va devoir reprendre l'auberge. Et ça va pas être de tout repos. Bref, on est sur une saga d'aventure qui va mêler conflits, complots, magie, triangle amoureux et dont apparemment le final est poids. Moi je dis, je demande à voir. Bref, ça me fait vraiment très envie. Sarah Holland, c'est l'autrice du coup en l'occurrence de la duologie, il me semble, Everless, que je n'ai pas encore découverte, mais franchement dont j'ai entendu vraiment que du bien. Donc voilà, je suis assez curieuse de découvrir Heavenfall. On continue toujours le 2 février avec la sortie d'Azincourt par Temps de pluie de Jean Tellet aux éditions Mialet Barreau. Azincourt, c'est le nom d'un joli village, mais aussi bien sûr d'une bataille relativement connue et qu'on a perdue du coup. On est alors au 15e siècle et Jean Tellet va se faire un malin plaisir avec son humour légendaire de nous raconter sa version de cet épisode historique, de cette déculottée monumentale. Alors je n'ai pas encore découvert du tout l'œuvre de Jean Tellet, mais j'en entends énormément parler, notamment autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui lisent Jean Tellet. C'est un homme assez complexe puisqu'il est romancier, mais pas que. Il est aussi cinéaste, je crois, homme de théâtre aussi, bédéiste et dessinateur. Enfin bon bref, il a plein de cordes à son arc. C'est aussi le compagnon de Miu Miu, et ça, je ne savais pas du tout. Si vous ne savez pas qui est Miu Miu, et bah écoutez, faites une recherche. Je peux pas vous aider, donc voilà, mais en tout cas je trouve que ces titres font toujours très envie. C'est une manière d'aborder l'histoire de façon un petit peu détournée et c'est apparemment toujours avec plaisir qu'on y revient. On enchaîne le 3 février avec la sortie du titre Darius Gore de Charles Mazarguil aux éditions Slalom. Ouh, cette histoire, comment elle a l'air barrée. On va suivre Darius qui est un jeune ado, sauf qu'il vit à Pandémonium, du coup c'est un démon, c'est même l'héritier d'une grande famille de démons, sauf que lui c'est pas trop son délire quoi, les bastons, les conflits, tout ça, non, il préfère carrément éviter. D'ailleurs le sport apparemment un peu national, c'est pas trop son truc non plus, et je comprends pourquoi puisque ça s'appelle Head Ball, et avec mon accent bien sûr irréprochable. Et du coup j'imagine très bien une sorte de sport où à la place de la balle c'est une tête ou des têtes, bref. Donc je comprends que ce soit pas trop son délire et du coup le jour où en fait Darius va assister à une sorte de coup d'état, il va devenir un témoin gênant. Et histoire de sauver ses miches et ses trois cœurs,
Parce que oui, un, en fait, c'est pas terrible, c'est pas assez. D'ailleurs, ce serait une idée, hein, franchement, nous, ça nous aurait servi d'en avoir trois au lieu d'un, quand on y réfléchit. Dans certaines situations, ça pourrait être intelligent. Bref. Et du coup, histoire de sauver voilà, ses fesses, il va devoir s'enfuir et aller se planquer quelque part. Et du coup, quelle autre idée pouvait-il avoir que d'aller se planquer sur Terre? Ah, j'aime bien ce petit titre, il me fait vraiment de l'œil, j'adore cette... Voilà, cette plongée, cette immersion un petit peu dans, voilà, dans un monde qui ne nous convient pas en tant que démon, on se met à la place d'un ado. Déjà, être ado, c'est chaud. Être un démon, c'est chaud. Mais être un ado-démon, franchement, ça doit pas être de la rigolade. Bref, donc je trouve ça assez sympa, ça a l'air décalé, pourvu qu'il y ait un peu d'humour, et du coup moi je signe tout de suite. Un autre titre qui va sortir chez Slalom et également le 3 février, il s'agit d'Animal de Cécile Alix. Ce titre il est conseillé à partir de 13 ans et je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, excepté qu'on va aborder a priori la thématique de l'immigration et aussi un petit peu d'un parcours initiatique d'un jeune adolescent de 15 ans. On enchaîne avec une sortie qui a l'air trop mignonne le 3 février. Il s'agit de Pour l'amour du fort, j'espère que je le prononce pas trop mal, de Loan Lee aux éditions Akata Young Novel. Dans cette histoire, on va suivre deux adolescents qui font partie de deux familles rivales puisqu'elles tiennent toutes les deux un restaurant spécialiste du pho, qui est une sorte de soupe vietnamienne très connue. Et donc du coup, ces deux adolescents, donc un garçon et une fille, qui ne sont pas censés se côtoyer et qui vont finir probablement, j'imagine, par tomber amoureux. Bref, ça a l'air d'être une petite histoire bien mignonne, bien sympathique, à découvrir un petit peu les traditions vietnamiennes. C'est une civilisation que je ne connais pas du tout, je connais pas trop les mœurs, les pratiques, etc. Mais vraiment, ça m'intéresse. Donc je serais assez curieuse de découvrir ce titre. En plus, je trouve que la démarche est plutôt intéressante puisque Akata a fait le choix de la date de sortie, alors pas du tout de façon aléatoire, mais pour se rapprocher un maximum en fait de la nouvelle année vietnamienne qui tombe, je crois, le 1er février, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympathique et pour marquer le coup, et bien du coup, c'est un joli titre à découvrir. On continue le 3 février avec la sortie du premier tome d'une nouvelle saga. Il s'agit de The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. On va suivre l'histoire d'Avery, une lycéenne sans histoire du coup, qui voilà, tente d'aller à la fac avec une bourse d'études, etc. Son destin bascule le jour où elle reçoit un héritage, évidemment. En tout cas, un milliardaire lui lègue sa fortune, genre mais ça sort de nulle part parce que le gars, elle ne le connaît pas. Donc c'est un petit peu what the fuck. Et du coup, Avery est quand même vachement contente, hein, parce que bon, qui ne serait pas content après tout? Sauf qu'il y a quelques petites conditions. Pour toucher son héritage, elle doit emménager dans la fameuse demeure de la famille Ossam, donc du coup du milliardaire. Bref, il y a ses quatre neveux qui sont un peu chelous, un peu insondables, un peu mystérieux et tout, et qui ne comptent pas du tout se laisser voler du coup leur dû, en tout cas voilà, leur héritage, l'héritage qu'ils méritent selon eux en tout cas. Donc Avery va être complètement embarquée dans une sorte de tourbillon un peu de conflits, de complots, de mystères, de secrets. Bref, elle va devoir grave batailler et du coup voilà, ça risque de pas tourner toujours très 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 bien. Mais voilà, tout ce qu'en dit le résumé, c'est ça. Je ne sais pas du tout s'il y aura une touche de fantastique, genre, ou pas. Aucune idée, mais en tout cas, je trouve que le pitch est relativement intriguant. Le 10 février, on va pouvoir découvrir la nouvelle comédie romantique Flirting with 40 de K. Bromberg aux éditions Hugo. On va suivre dans cette histoire Blakely qui est une jeune divorcée, hein, elle s'est fait plaquer par son mari qui s'est empressé de se retrouver une petite jeunette d'une vingtaine d'années, ça fait toujours plaisir. Au niveau de son boulot, c'est pas non plus la joie parce que sa boss semble l'empêcher de recevoir la promotion qu'elle mérite et en plus, elle va fêter ses 40 ans et ça a un peu du mal à passer. Mais bref, et du coup, Blakely, notre Blakely, va faire la rencontre
d'un jeune trentenaire, chirurgien cardiaque, qui pourrait bien lui remettre un peu de baume au cœur et du coup la sortir un petit peu de ses habitudes. Donc voilà, c'est une comédie romantique apparemment drôle, sexy, etc. Bref, voilà, si vous avez besoin d'un petit truc qui vous fait du bien, qui vous fait passer juste un bon moment, facile à lire, etc., ben c'est peut-être ce titre qu'il vous faut. Le 10 février toujours, on va pouvoir découvrir Sous des flocons d'argent de Laura Wood aux éditions PKJ. Dans cette histoire, on va suivre Freya, qui est une jeune femme de 18 ans, qui sort de sa famille, de la ferme en Cornouailles, etc., qui part à l'aventure pour réaliser ses rêves de devenir comédienne. Et sur le chemin, gros coup de bol, elle tombe sur Kit, qui est un jeune auteur en herbe. Il lui fait alors la proposition d'intégrer sa compagnie de théâtre. C'est-y pas beau. Du coup, elle va accepter, évidemment, voilà, elle va connaître la vie sur les planches et elle va enfin se sentir à sa place. Je veux dire, c'est un peu le but d'une vie. Sauf que ça ne va pas être si simple que ça. Un amour va éclore au fur et à mesure des tournées et Freya va découvrir que parfois la magie de la scène cache une toute autre réalité. Vous aurez peut-être reconnu le nom de l'autrice puisque c'est la maman de Sous un ciel d'or qui est sortie l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, que j'ai pas encore découvert mais qu'on m'a beaucoup beaucoup recommandé. Et on va en reparler dans cette vidéo d'ailleurs. Le 16 février, c'est une nouvelle saga que l'on va pouvoir découvrir. Il s'agit des Suprêmes. Le tome 1 est intitulé L'Académie de Will N.G. aux éditions Hachette Roman. Dans cette histoire, on va parler magie, sorcellerie. Du coup, on va suivre Anaïs qui est une jeune ado qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et qui va devoir, bien sûr, pour les développer, intégrer, je vous le donne en mille, une école de magie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, au-delà de l'histoire et tout, qui est somme toute pas révolutionnaire mais plutôt intrigante, la couverture est genre magnifique. Le 16 février toujours, vous allez pouvoir découvrir un nouveau titre de la collection Disney Dangerous Secrets, je crois que c'est ça, donc avec Mulan l'Antidote de Grace Lin aux éditions Toujours Hachette. On va pouvoir y découvrir une nouvelle histoire autour de l'univers de Mulan. D'ailleurs, on va suivre Mulan et notamment sa sœur. Je crois pas qu'on aborde dans le Mulan de Disney original, en tout cas. Et du coup, la sœur de Mulan va être mordue par une araignée, je crois. Mais c'est pas une araignée super super sympathique et voilà, plutôt classique. C'est un genre d'araignée particulier. Et genre, la vie de sa sœur est en danger. Mulan va être obligée de partir à la recherche d'un guérisseur. Et avec ce guérisseur qui est un petit peu bizarre, d'un antidote. Et du coup, sur la route, on comprend que c'est pas si simple finalement que ça. Il y a une petite quête aussi et pourquoi pas, on va s'intéresser aux secrets de la famille de Mulan. Le 17 février est prévue la sortie du titre Plus heureux que jamais d'Adam Silvera chez la collection R. Alors si le nom de l'auteur ne vous est pas inconnu, c'est peut-être normal, c'est notamment le papa de... Et ils meurent tous les deux à la fin, je crois. Je crois que c'est ça. Bref, voilà, qui était un titre du coup que moi je n'ai pas découvert personnellement. Mais ne vous laissez pas, voilà, rebuter par son titre. Il paraît que c'est vraiment un super livre, j'en ai entendu de très bons retours. D'ailleurs, si vous l'avez découvert, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment. Mais du coup, en tout cas, là, ce titre, Plus heureux que jamais, il me tente énormément, je vais vous dire pourquoi, puisqu'il aborde la problématique de savoir si le bonheur peut naître de l'oubli. Parce qu'en effet, dans l'univers d'Aaron, il y a un institut qui vous propose, très gentiment, de vous faire oublier tous les mauvais souvenirs, histoire de passer une vie pépère. Pour savoir si notre personnage principal va se laisser tenter par cette technique d'ablation de la mémoire, eh bien il faudra découvrir ce titre. Le 23 février, ce sera le tour du Curieux Manoir de Tante Aglaé d'Ena Fitzbell aux éditions J'ai lu. On va y suivre Jade qui a 26 ans, qui hérite d'un manoir dans un bled paumé en Bretagne, du coup qui est sur aucune carte. Bref, c'est une parisienne, du coup elle hérite le manoir de sa grande tante Aglaé, hein, vous l'aurez compris, c'est dans le titre. Sauf que du coup Jade c'est une parisienne pure souche, elle a pas du tout l'intention d'aller s'enterrer en province. Du coup, son programme, c'est d'aller du coup voir le manoir, de le retaper un peu, de le revendre, de faire une jolie plus-value, et basta. Sauf que l'histoire va être un peu plus compliquée que ça, puisque quand Jade fait le tour des différentes pièces du manoir, elle va découvrir au grenier une multitude d'objets, puisque sa grande-tante, je vous le donne en mille, était égyptologue.
Oui, bon, d'accord. Moi, j'ai lu Égyptologue et du coup, j'étais déjà harponnée. Je suis faible, faible, faible. Mais je continue l'histoire. Et du coup, elle découvre une multitude d'objets. Et c'est pas la seule chose, puisque la grande tante Aglaé lui a laissé des indices disséminés de gauche à droite pour la conduire à un énigmatique trésor qui date du règne de Louis XV. Ok, n'enfoncez plus le clou, c'est bon, je suis déjà. Voilà, je vais déjà l'acheter, c'est obligé. Et pour cela, pour trouver le trésor, elle va être accompagnée bien sûr d'Alban, qui est l'instituteur du village, d'un jeune garçon du coup surdoué, Corentin, et de son fidèle Tekel, Rimbaud. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut? Il y a tous les éléments, franchement, il y a tous, pour que j'adore ce livre. Après, j'espère que, voilà, il est bien, mais franchement, voilà quoi. Voilà. Qu'attendons-nous? Vivement le 23 février! Pour les suites grand format, eh bien ça va être relativement rapide, puisque 3 février, on va pouvoir découvrir le troisième tome de la saga Piper McNimbus. Ce tome 3 s'intitule La fille tombée du ciel de Victoria Forrester aux éditions Lumen. Alors moi perso, j'ai pas encore découvert cette saga. Le premier tome m'avait vraiment intriguée, puis j'avais entendu des avis, voilà, un peu mitigés, voire pas très très bons. Et en fait, après, il y a eu vraiment pas mal de gens qui sont revenus du coup sur cette saga. Donc il y a vraiment deux écoles, ceux qui aiment beaucoup, ceux qui adorent, et ceux qui, voilà, pour qui n'accrochent pas. Donc je me suis pas encore décidée, mais franchement, elle me tente quand même pas mal. Hein. Voilà, ça a l'air d'être assez sympa, du coup assez mignon. C'est un jeunesse autour d'une jeune fille du coup qui a le pouvoir de voler, je crois, et qui va devoir, voilà, aller dans une école avec des enfants qui ont des pouvoirs particuliers. Bref, bref. Je n'en sais pas plus, mais en tout cas, le tome 3 sort maintenant. Le 10 février, c'est le tour du tome 5 d'une saga dont j'ai enfin fini le premier tome. Oui, merci. Il s'agit des enquêtes d'Anna Swensen et ce tome 5 s'intitule Meurtre et Cupcake Caramel, donc de Joanne Fluck aux éditions du Cherche Midi. Un petit cozy mystery qui se passe en Amérique, c'est important, avec plein de recettes de gâteaux, de bonbons, etc. Genre, en lisant ce livre, mais mon dieu j'avais trop faim. Donc voilà, c'est assez sympathique à suivre. J'ai pas eu un énorme coup de cœur sur le premier tome, mais il y a aussi le fait que j'ai dû le lire sur vraiment 3 semaines, 1 mois, pas loin. Donc c'était beaucoup trop pour voilà, pour vraiment m'immerger dedans. Mais franchement, c'était assez cool. Donc c'est sûr que je découvrirai le tome 2. Le 16 février, on a encore la sortie du tome 5, je crois, de la saga policière Cormoran Strike. Donc il s'appelle Sans trouble de Robert Galbraith, qui est le pseudonyme de J.K. Rowling. Je rappelle du coup qu'il va sortir, pardon, chez Grasset. Et je vous rappelle que donc J.K. Rowling écrit aussi du policier, mais voilà, qu'elle a pris un pseudonyme et c'est Robert Galbraith du coup. Donc voilà, souvenez-vous-en. Du coup, c'est le 5e tome, voilà, je l'ai dit, oui je l'ai dit, c'est évident, je l'ai dit. Et enfin, le 17 février, c'est le tome 2 d'une saga. Il s'agit des Chroniques de Fogas, le tome 2 intitulé Le Retour du Parisien, de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont. Alors, Julia Chapman, c'est mon autrice chouchou, puisque c'est la maman des détectives du Yorkshire, donc cette saga cozy mystery hein, qu'on adore toutes et tous, puisque elle est trop bien, voilà. Et puis elle a sorti une saga de cozy mystery, apparemment, cozy mystery, oui je crois, mais qui se déroule en France. Donc le premier tome, quand il est sorti, genre tout le monde le voulait parce que bah, c'était trop bien et tout, et en fait il a pas eu des critiques super super, enfin en tout cas des gens que voilà, dont j'écoute les avis, il n'y a pas eu de super retour. Bon, c'était un premier tome, peut-être que des gens ont adoré, hein. N'hésitez pas d'ailleurs si vous l'avez aimé vous à me le dire en commentaire, ou si vous l'avez lu déjà, ce que vous en avez pensé tout simplement. Mais voilà, bref, en tout cas si vous voulez lui donner sa chance ou si vous voulez découvrir le tome 1, sachez du coup que le tome 2 sort en février. On enchaîne avec Les Poches et la sortie le 2 février d'un titre dont je vous ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, parce que je crois que je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Il s'agit d'Attention Spoiler de Olivia Dade aux éditions Hauteville. Et oui, si vous vouliez découvrir ce fameux titre avec en plus cette superbe couverture,
Je suis dégoûtée. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Je l'ai acheté en grand format quand il est sorti en français, parce qu'il me faisait très envie. Et vous le savez, je ne l'ai pas encore découvert, évidemment. Et Hauteville avait choisi une couverture différente de la couverture VO et qui n'était pas... Voilà, autant j'adore la couverture VO, autant la couverture grand format français, non pas vraiment. Et là, genre le livre sort en poche et ils ont choisi de remettre la couverture VO. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, je suis au bout de ma vie. Mais c'est pas grave, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, eh bien moi non plus. Du coup, je sais juste qu'on va suivre une fille qui s'appelle... Qui s'appelle, je sais plus du tout comment elle s'appelle cette fille. April? Pourquoi je le dis avec l'accent anglais, je ne sais pas. Donc on va suivre April qui est une jeune femme, du coup qui est fan de cosplay, elle est fan de séries, et notamment d'une série pour laquelle je crois elle écrit de la fanfiction. Donc vous savez, ces fictions, ces écrits en fait qui partent de l'univers d'une série ou d'un livre, enfin peu importe, et du coup d'autres auteurs, auteurs amateurs d'ailleurs parfois, du coup réinventent un petit peu des histoires avec les personnages de cette saga initiale. Bref, vous voyez un peu le délire. Et du coup, April, je crois qu'elle a posté des photos ou un truc comme ça, alors qu'elle est costumée, enfin du coup le cosplay là, donc qu'elle est costumée en héroïne de la série dont elle est fan. Et donc voilà, elle se prend une vague de critiques parce que April apparemment a des rondeurs, enfin voilà, est en surpoids, enfin peu importe. Et donc voilà, et du coup elle se prend évidemment des chouettes commentaires et une vague de commentaires genre juste horrible, et la star de la série, la star masculine de la série dont elle est fan en fait, va réagir sur les réseaux sociaux, et pour calmer un peu tout le monde, genre mettre tout le monde un peu d'accord, il va carrément l'inviter à dîner. Sauf que ce que les deux personnages ne savent pas, c'est qu'ils se connaissent d'ores et déjà, puisque l'acteur qui s'appelle Marcus, je crois, donc voilà, qui incarne le personnage principal de la fameuse saga, est aussi a aussi un pseudonyme en fait sur les réseaux, sur la communauté de la fanfiction, et écrit aussi, je crois, de la fanfiction. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Bref, en fait, ils ont déjà communiqué, ils se connaissent déjà. Sauf que l'un, voilà, ne sait pas. Enfin, bref, c'est une histoire d'amour. On va parler grossophobie, on va parler fanfiction, et moi je dis pourquoi pas. La prochaine sortie, c'est le 2 février que l'on pourra découvrir en poche Peindre la pluie en couleur d'Aurélie Tramier aux éditions Le Livre de Poche. J'aurais trop peur de massacrer le résumé, donc je vais plutôt lire du coup celui de la maison d'édition. Morgane est une directrice de crèche solitaire et revêche qui ne supporte plus les enfants. Ça c'est dit. À 35 ans, elle vit dans le rêve de racheter une pension pour chiens. Tout vole en éclats lorsque sa sœur meurt dans un accident de voiture, lui laissant ses deux enfants en héritage. Oui, je vous avoue, on part pas sur un truc hyper fun de base, quoi. L'arrivée d'Eliott, 10 ans, et de Léa, 6 ans, bouscule son quotidien maniaque et fait ressurgir un passé douloureusement enfoui. Les voix de Morgane et d'Eliott alternent dans ce roman pour nous tracer la reconstruction d'une femme blessée qui découvre la force de l'amour maternel. Je trouve que voilà, le postulat est intéressant, à voir ce que ça donne par la suite. Le 3 février, c'est le tour de la sortie de 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Gallmeister. Je vous avais déjà parlé de la sortie de ce roman, notamment quand il est sorti en grand format. C'est vraiment un titre qui me fait grave envie, et je crois qu'il fait très envie à beaucoup de monde. Le problème, c'est qu'il aurait a priori la désagréable surprise de spoiler quelques titres, notamment d'Agatha Christie, et pas que, enfin certains titres en fait, tout simplement de livres policiers qui existent d'ores et déjà, de vrais titres. Et du coup, si vous les avez pas lus, bah, c'est un peu... voilà. C'est un peu rageant. Donc l'histoire, c'est quoi? On va suivre un libraire qui s'appelle, je ne sais plus comment, Malcolm Kershaw, qui est spécialiste des romans policiers, qui va voir un jour une agente du FBI frapper à sa porte, genre surprise, parce que elle enquête sur deux meurtres en particulier qui font penser en fait à un titre d'Agatha Christie et à un autre titre d'un auteur, je ne sais plus, James Cain. Enfin voilà. Et du coup, elle se dit que potentiellement, avoir l'avis d'un spécialiste par rapport aux quelques petits indices
qu'ils ont pu récupérer sur les scènes de crime, ce serait pas de trop. D'autant plus que du coup Malcolm a écrit il y a plusieurs années un article sur son blog présentant les 8 crimes parfaits. Enfin, du coup, qui s'intitulait comme ça, et il y avait notamment ces deux exemples donc de meurtres, en tout cas dans la littérature qui était présentée. Et donc, ils se disent que potentiellement, est-ce que le tueur en série ne serait pas en train juste de se faire la liste des 8 crimes? Voilà. Donc, l'angoisse va un peu monter. On sent un peu, voilà, le tueur se rapprocher, être un petit peu déjà dans les parages. Et donc voilà, il paraît que c'est vraiment génialissime. Je n'ai qu'une envie, c'est de les découvrir. J'avais déjà envie de le découvrir en grand format. Alors là, je pense qu'il faudrait pas me pousser trop loin pour découvrir ce titre. Le 3 février encore, c'est la sortie d'un titre aussi dont je vous avais parlé. C'est pas ma faute. Oui, c'est pas ma faute. C'est magnifique. De Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon aux éditions PKJ. Je suis persuadée que vous vous en souvenez. Déjà, il s'agit de l'histoire d'une youtubeuse qui disparaît et d'une fan en fait qui va un petit peu se mettre à sa recherche, je crois. Bref, on va parler de réseaux sociaux, on est sur un thriller psychologique, on est voilà plein de choses. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas les détails de cette histoire et je ne veux pas les avoir au cas où s'il me venait voilà l'envie de le découvrir. Je trouve ça relativement intéressant de traiter voilà sur un livre young adulte des réseaux sociaux et de ce que ça peut entraîner parfois. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis assez curieuse d'entendre des avis parce que j'ai pas vu tant de retours. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux quand il est sorti en grand format. J'ai pas eu tant de retours que ça. Je sais pas trop ce que les gens en ont pensé en général. Mais voilà, du coup c'est un titre quand même qui a bien tourné, donc pourquoi pas. Et bien le 10 février, voilà, c'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la sortie de Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions donc PKJ Poche. Avec ce roman, on est dans les années 1920, en Cornouailles, on va suivre Lou qui a 17 ans, qui est fasciné par la maison d'à côté et la famille qui y vit. Et en l'occurrence, Lou un été va se retrouver propulsé un petit peu dans cette aristocratie qui l'a fait un peu rêver. Dans une ambiance champagne, jazz et charleston, on va aussi découvrir de sombres secrets. Alors comme je vous disais, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Il est chaleureusement recommandé. Je sais pas pourquoi je me suis pas encore lancée, ça viendra probablement. Je ne sais pas vous, mais moi l'ambiance comme ça, en tout cas du résumé, me fait un peu penser, il y a une petite vibes quand même, de Gatsby le Magnifique, non ? Le 23 février, c'est la sortie de Frankly in Love de Davin Yoon aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ce titre, on l'a vu passer aussi un petit peu partout. On va suivre un jeune adolescent coréen qui vit en Amérique. Lui, il a fait toute son éducation aux États-Unis, donc il est totalement intégré. Sa famille, on va pas se le cacher, un petit peu moins. Et ils gardent évidemment, et c'est bien leur droit, leur tradition. Et leur tradition, c'est en l'occurrence de demander à leur fils de ne sortir qu'avec une Coréenne. Sauf que bah lui, Frankly, il vient de tomber amoureux du Brit, qui est une jeune ado blanche, enfin caucasienne en tout cas, et du coup bah ça va pas le faire. Donc pour vivre son amour un petit peu tranquille, il décide avec Joy, qui est une autre jeune fille mais coréenne, de faire semblant un petit peu de sortir ensemble. Comme ça Joy est libre de vivre son histoire d'amour avec son copain, lui avec du coup sa nouvelle petite amie, et voilà, genre de faire style devant les parents pour que tout se passe bien. Sauf que c'est pas si simple que ça, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais le plan parfait ne va pas se dérouler tout à fait comme prévu. Côté des suites en version poche, eh bien ça va être très rapide puisque je n'ai relevé que le 4e tome de la saga Red Queen qui s'intitule Warm Storm de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Côté manga cette fois, le 2 février, c'est la sortie des deux premiers tomes d'une nouvelle saga. Je sais pas du tout en combien de tomes elle est prévue. Il s'agit d'une si belle couleur de Keiko Iwashita. Oui, parce que c'est la mangaka de mon colloque d'enfer.
aux éditions Pika. Bah oui, on va pas se le cacher, étant fan absolu de Mon colloque d'enfer, je me suis penchée d'un peu plus près sur ce futur titre. On va y suivre Aya, qui est une jeune fille, qui est une jeune lycéenne, passionnée de dessin, qui est soupçonnée d'avoir eu une relation intime avec son professeur, et du coup qui est mise au banc de la société, quoi. Genre par ses camarades, elle est moquée, elle est mise de côté, enfin... Voilà, plus aucun respect, quoi. Donc Aya essaie de se faire oublier, hein, clairement, elle rase les murs, elle est alone, vraiment seule au monde. Jusqu'au jour où le lycée accueille un nouvel élève, un métis, du coup. Alors, voilà, ok, blond aux yeux bleus. Apparemment, c'est important puisque c'est dit dans le résumé. Il s'appelle... J'ai perdu son nom, il s'appelle Emu. Emu. Je sais pas comment ça se dit, pardon. Emu, je le dirai comme ça d'instinct, mais voilà, qui lui du coup repère tout de suite la jeune fille, un petit peu terne, un petit peu effacée, et va tenter de lui redonner un petit peu de joie de vivre, un petit peu d'éclat, sauf qu'Aya est quand même clairement meurtrie et du coup grave méfiante, et qu'elle n'est pas prête, semble-t-il, à ouvrir son cœur de sitôt. Le 2 février, c'est la sortie du tome 1 d'un nouveau manga, La sorcière aux champignons, de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. On est ici sur un petit shoujo apparemment trop mignon, conte de fées fantastique, conte de fées magique. On va suivre Luna, qui est une petite sorcière qui vit au fond d'une forêt très sombre. Les habitants, enfin les villageois, la craignent puisque du coup des champignons vénéneux, voilà, apparaissent sur son passage. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Luna en fait œuvre pour leur bien. Alors du coup, ils la craignent, ils la fuient, et Luna se retrouve seule et triste jusqu'au jour où l'amour risque de venir lui jouer quelques tours. On est ici sur un beau manga de fantasy avec des personnages attachants et loufoques qui vous feront rire, qui vous feront pleurer. Voilà, moi je suis tout à fait pour, vous savez que c'est tout à fait ma cam. Donc voilà, je vous présente La sorcière aux champignons. Côté nouvelle sortie, et ben c'était du rapide, je vous parle maintenant des suites manga. On commence le 4 février avec le 3e tome du petit manga The Secrets of Magical Stones, dont j'ai le premier tome, que m'a offert ma copine Laetitia du coin Lecture de Galley, de Marimou aux éditions Vega Dupuis, qui a l'air vraiment trop bien. Je l'ai pas encore lu, mais vraiment il me fait super envie. En plus j'adore le graphisme et l'histoire a l'air trop choupi. Donc voilà, je suis très contente de savoir que le tome 3 va arriver du coup très bientôt. Franchement, ça me permettra peut-être d'enchaîner un petit peu les trois premiers. Une autre sortie qui me met en joie, et là c'est le 9 février, il s'agit du tome 2 de Crush of Lifetime de Jiyoung Alim et Kim Yong-woo chez Kabooks. Pardon, je regarde mes notes, mais déjà que c'est compliqué. Bref, j'ai lu le premier tome au mois de janvier, et franchement, j'avais entendu des critiques que voilà, bon, ouais, ok, bof. Et en fait, j'ai bien aimé. Vraiment, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça trop mignon, la fille est un peu barrée sur les bords. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui est star des réseaux sociaux, voilà, un peu pour rien. Bref, elle poste des photos, on ne s'engage pas sur cette voie. Elle poste des photos, elle a beaucoup d'abonnés et elle arrive dans un nouveau lycée. Et en fait, du coup, l'histoire un peu de sa vie, c'est chaud. Parce que du coup, elle rêve de trouver un copain, de trouver l'amour. Elle n'en a jamais connu, elle n'a jamais été embrassée. Bref, c'est un peu compliqué entre l'image qui transparaît de via les réseaux sociaux et en fait la personne qu'elle est réellement. Il y a un peu un monde, quoi. Elle est un peu tarée sur les bords, elle surréagit un peu tout, mais c'est humain, enfin je veux dire elle est ultra humaine et c'est, je trouve ça trop rigolo. Elle est vraiment très très drôle et voilà, elle est très naturelle et tout, et elle va rencontrer un garçon qui lui n'a absolument pas du tout le temps, enfin en tout cas qui n'est absolument pas sur les réseaux sociaux, donc qui ne la connaît pas du tout en tant que personne, personnage public en tout cas. Et lui il a complètement d'autres priorités dans la vie et ils sont à milieu au niveau univers, mais voilà, ils vont se rapprocher suite à des situations ubuesques et c'est vraiment très drôle, c'est très mignon.
Il y a une sorte de petite romance et tout. Franchement, c'était choupi. J'ai hâte de voir le tome 2. Bon, normalement, je devais pas parler sur les suites, mais c'est un peu compliqué. Donc, j'enchaîne. Le 10 février sort aussi, enfin, sort du coup tout court, le tome 7 de Spy Family. J'ai adoré le tome 1, mais il faut que je continue. De Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Et en fait, je ne tiens plus en place puisque le 16 février est annoncée la sortie du tome 11. Je sens que vous savez de quoi je vais parler. Oui, de la saga Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Je veux pas savoir si c'est le dernier ou pas. Je ne veux pas. Je vais le lire. Je suis à jour. Ça ne m'arrive jamais de dire ça dans une saga. Je suis à jour sur une saga, que ce soit un manga ou un autre, hein, on s'entend. Ça m'arrive tellement rarement que ça me fait bizarre de le dire, mais j'ai lu les 10 tomes, donc j'attends le 11, filez-moi le 11. Et pitié, filez-moi-en d'autres, parce que je sais pas comment je vais faire si c'est le dernier. Bref. Et enfin, le 17 février, on pourra découvrir le tome 6 de la saga Alpi the Soul Sender de Rona aux éditions Kiyun, dont j'ai lu le premier tome en fin d'année 2021. Vraiment, ça a été une super surprise. Je sais pas pourquoi j'y allais à reculons, mais en fait c'était top. Donc du coup je suis assez curieuse de savoir ce que donne la suite en fait de l'histoire, vraiment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà lu, si vous êtes plus avancé que moi dans la saga, et voir si vous l'avez commencé, ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est un petit manga qui parle d'écologie, dans un monde un peu fantastique, on est d'accord, mais vraiment qui est très très cool. Côté BD, on va pouvoir noter la sortie le 4 février du premier tome de Menji, de Fabien Grolot au scénario et Mathieu Demort au dessin, aux éditions Dargo. Je vous lis le petit résumé de la maison d'édition. Le moment est venu de l'accomplissement de la légende. Le retour du serpent dragon est pour bientôt. Renard, le maître du jeune chat Menji, serviteur un peu trouillard et peu dégourdi, est décidé à profiter des pouvoirs du serpent dragon pour prendre le pouvoir sur l'archipel des grouillants. Pour cela, il a besoin de l'aide de Menji, mais de dangereux concurrents ont bien l'intention d'arriver les premiers. Avouez, ça a l'air trop cool. Moi, j'ai vu la couverture et je me suis dit, oh là 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 là, encore une que je vais découvrir, genre bientôt, parce que ça a l'air vraiment super... Enfin... Ça a l'air super mignon, en même temps ça a l'air un peu décalé. Je sais pas trop si c'est du premier degré ou si c'est un peu genre une parodie, etc. Mais ça a l'air super sympa, donc moi je dis oui. Vous avez vu, côté BD, c'était du rapide. On terminera d'ailleurs avec le deuxième et dernier tome de la BD Ella et les Hellboys, qui s'intitule L'épreuve du feu de Kit Toussaint et Louisa Russo aux éditions Dracou, qui sort le 2 février. Et voilà pour les sorties livresques de février 2022. J'espère que vous avez pu trouver des titres qui vous ont fait envie. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, pour me soutenir un petit peu, à liker du coup juste en dessous, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, et à me laisser bien entendu un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. En m'identifiant, du coup, je pourrais vous repartager. Bref, je vous souhaite un début d'année merveilleux avec des sorties livresques qui font plaisir, du coup, clairement, en ce mois de février. Moi, je vous avoue, je vais essayer de me calmer un peu, de prioriser un petit peu mes futurs achats, parce que sinon, ça va être un carnage. Je vous ai parlé des bookhauls, non? Eh bien, voilà, j'ai sorti le bookhaul de septembre. Je vais essayer de vous sortir un peu plus régulièrement là, les prochains, histoire de rattraper un peu le retard. Mais vous allez voir, c'est une saga, c'est un soap-opéra, je veux dire, les bookhauls, c'est fort en émotion. Bref, je vous laisse le suspense, je ne vais pas spoiler. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, je vous dis à très très bientôt, et je vous fais plein de gros bisous. D'ailleurs, vous avez été certains d'entre vous à mal... de cra... Et histoire de sauver... C'est pas possible, non. Mais j'ai pas dit ça. Heureusement qu'on n'est pas en direct.